Alléluia. Oshé, oshé, o Baba Oluwa, oshé, oshé, Baba Oluwa. Alléluia. Oshé, oshé, o Baba Oluwa, oshé, oshé, Baba Oluwa. Oshé, oshé, o Daddy, Baba Oluwa, Oshé, oshé, o Baba Oluwa, oshé, Baba Oluwa. Alléluia. Oshé, oshé, o Daddy, Baba Oluwa, oshé, oshé, Baba Oluwa. Oshé, oshé, El Shaddai, Jehovah Nissi, Jehovah Elohi, Jehovah Rapha, Jehovah Shikenu, Jehovah Rapha, Jehovah Nissi. Oshé, oshé, o Baba Oluwa, oshé, oshé, Baba Oluwa. Wonderful, my love, you are God, you so good. God, you so good. Yeah. God, you are God. God, you are wonderful. My love, hey. You are God, you so good. You don't know, say Jehovah, no God. I mean, you don't know, say Jehovah, no God. I mean, you don't know, say Jehovah, no God. I mean, you don't know, say Jehovah, no God. I mean, you don't know, say Jehovah, no God. I mean, you don't know, say Jehovah, no God. I mean, you don't know, say Jehovah, no God. He's a mighty God. He's a mighty God. Somebody say shout hallelujah. Hey, hey, hey. He's a mighty God. He's a mighty God. Hey, ah. He's a mighty, mighty. He's a mighty, mighty. Hallelujah. Hey. He's a mighty, mighty. He's a mighty, mighty.
He's a mighty, mighty, mighty. He's a mighty, mighty, mighty. Hey! He's a mighty, mighty, mighty. He's a mighty, mighty, mighty. Hey! Hey! My Lord is the Lord. Hey! My Lord is the Lord. Hey! Everything is double, double. Hey, everything is double, double. Hey, everything is double, double. Everything is double, double. Everything is double, double. Hey, he is kale kale. Hey, he is kale kale. Sukatini, tini tera, 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 lue lue lue, 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 avancez, 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 tournez, 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 Sangha, Sangha, hey, oh Sangha, oh Sangha, ah, oh Sangha, oh Sangha, mighty God, mighty God, oh Sangha. Jéhovah, Jéhovah, à te faire pour des cris de joie. Ouah, tu fais danser. Jéhovah, 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 à te faire danser. Jéhovah, 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 Jéhovah. 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 Jéhovah, 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 Jéhovah. Jéhovah, 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 Jéhovah.
Jehovah, 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 en avant, Jésus est de nous. Peuple de Dieu. En avant, Jésus est de nous. Oh, peuple de Dieu. En avant, Jésus est de nous. Serviteur de Dieu. En avant, Jésus est de nous. Serviteur de Dieu. En avant, Jésus est de nous. Oh, peuple de Dieu. En avant, Jésus est de nous. Peuple de Dieu. En avant, Jésus est de nous. Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, Jéhovah Shikeno, Jéhovah Rafika, adore-le, adore-le. Tu es le Dieu de ma vie, en toi j'ai trouvé le salut. Oh. Reçois, ô Dieu, l'adoration de cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Chante avec moi. Dieu de ma vie. Oh, tu es le Dieu de ma vie. Plus fort. Oh, en toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration du cœur que tu as sauvé. Oh, je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Qui est comme toi, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh, Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh, oh, oh.
le roi des rois. Ah. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Et tu es digne de t'acclamer. On acclame. Et tu es digne. Et tu es digne de t'acclamer. Oh 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 Père, nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons. Je te porte dans mon cœur et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte. Je te porte dans mon cœur. Hey! Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. 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 Je te porte. Je te porte dans mon cœur. Oh. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte. Je te porte dans mon cœur. Oh. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon. Tu es mon. Tu es mon. Tu es mon yaya. Yeah. Yeah.
Thank you, Jesus. Amen. Lève tes deux mains dans cet esprit d'adoration. Avant d'écouter la parole de Dieu, before we start the word of God, nous allons faire quelques requêtes de prière. We are going to take some prayer points. Lève tes mains. Lift your hands. Tu vas dire, Saint-Esprit, we are going to say, Holy Spirit, ce matin, this morning, rends-moi ministère. Minister to me. Saint-Esprit, rends-moi ministère. Minister to me. Ne me laisse pas partir. Don't let me go. Comme je suis arrivé. The way I came. Mais travaille dans ma vie. Work in my life. Travaille dans ma vie. Work in my life. Rends-moi ministère. Minister to me. Élève la voix, commence à prier le Saint-Esprit. Prie le Saint-Esprit. Pray, Holy Spirit. Dis, cher Saint-Esprit de Say, Dieu, Holy Spirit of God, au nom de Jésus, in the mighty name of je Jesus, te supplie. Rends-moi ministère ce matin. Ouvre ta bouche et prie. Open your mouth and pray. Sans lui, without him, ce serait de la religion. It was going to be religious. Dis, Saint-Esprit, rends-moi ministère. Minister to me. Rends-moi ministère. Minister to me, Holy Spirit. Saint-Esprit, Say, Holy Ghost, travaille dans ma vie. Work in my life. Ne me laisse pas repartir. Don't let me go. Comme je suis arrivé. The way I came. Saint-Esprit de Holy Dieu. Ghost, travaille en moi. Work in me. Pray. Rends-moi ministère. Minister to me. Ne me laisse pas partir. Don't let me go. Comme je suis arrivé. The way I came. Esprit de Dieu vivant. Spirit of the travaille living God. Dans ma vie. Travaille work dans ma vie. Work in my life. Work continue in my à lui life. Parler. Continue to speak to me. Sans lui. Only him. Rien ne se passerait. Without him, nothing will happen. Sans lui. Without him. Ce serait de la chair. It's going to be flesh. Sans lui. Without him. Ce serait de la religion. It's going to be religion. Du Saint-Esprit de Dieu. Holy Ghost. Rends-moi ministère, rends-moi ministère, rends-moi ministère. To me, minister travaille to me. En moi. Work in me. Ouvre mes yeux. Open my eyes. Éclaire-moi. Lighten me. Dispose-moi. Dispose me. Travaille en moi ce matin. Work in me, work in me. Travaille dans le peuple. Work in me, work in travaille the people. Dans l'église. Work in the church. Au nom de Jésus de in Nazareth. The mighty name of Amen. Jesus. Amen. Deuxième requête, tu vas dire, explique-moi la parole que je vais entendre. You will say, explain to me the words I'm going to listen. Si lui ne t'explique pas, if he doesn't explain to you, tu vas comprendre dans la tête. You will understand it fleshly. Ça ne va pas affecter ta it vie. It will not affect your life. Tu vas dire, Saint-Esprit, you're going to say, Holy Ghost, explique-moi ce que explain je vais entendre. Those things this morning. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie le Saint-Esprit. Pray the Holy Ghost. Prie le Saint-Esprit. Pray the Holy Ghost. Je t'en supplie. I beg you. Esprit de Dieu. Spirit of God. Explique-moi. Explain to me. La parole que je vais entendre the word ce matin. I'm going to listen this morning. Saint-Esprit, explique-moi. Holy Ghost, explain to parle-moi. Me. Talk to me. Dans mon langage. In my language. Parle-moi. Speak to me. Dans un langage que je peux in comprendre. A language that I will understand. Saint-Esprit de Dieu. Holy Ghost. Enseigne-moi, enseigne-moi, teach enseigne-moi. Me, teach me, teach parle-moi. Me. Explique-moi la parole. Explain the words to me. Dans le nom de Jésus in de Nazareth. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Dernière requête. The last prayer point. Zacharie 13. Zachariah 13. 6. Verse 6. Vite. Quickly. Ça dit ceci. He said this. Et si on lui demande... Et si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains? But if they ask, where is this spirit coming? Il répondra. He will answer. C'est dans la maison de mes amis que je les ai reçus. It's from the house of my friends that I received them. Alléluia. Suivez. Si on lui demande. If they ask him. D'où viennent ces blessures que tu portes aux mains. What? Where is this one that you are carrying on your hands coming from? Il répondra. He will answer. C'est dans la maison de mes amis. It's from my house, my friend's house. Que je les ai reçus. That I received them. David a dit ailleurs. David said elsewhere. Il dit. He said. Si c'est un ennemi. If it's an enemy. Qui me fait ça. That is doing this to je me. Je vais supporter. I will tolerate it. Mais c'est toi. But it's you. Mon frère. My brother. Toi. You. Mon ami. My friend. C'est toi qui lèves ton talon contre it's moi. You that is using your heel. Toi qui es dans ma confidence. You that I trusted. Avec qui je partage mon with pain. Whom I share my bread. C'est toi qui me fais ça. You are the one doing this to me. Écoute. Listen. Tu vas élever la voix et prier. You are going to lift your voice and pray. La blessure de l'ami est douloureuse et insoupçonnable. La blessure de l'ami est insoupçonnable.
from a friend is very painful. Tu ne vas pas t'attendre. You will not expect that is a friend that will do that to you. Tu ne vas pas t'attendre à ce qu'un ami te blesse. You will not expect that a friend will wound you. Mais un ennemi, tu peux attendre une blessure d'un ennemi. But from an enemy, you can expect this. On dit, quand on va te demander, d'où vient cette when blessure? When they will ask you, where is this wound coming from? C'est dans la maison de mes amis, de you ceux say qui. It's from the house of my friends. De ceux qui m'aiment. Well, those that help c'est dans me leur maison. It's from their house. Qu'on m'a blessé. That I received the wound. Alléluia. Amen. Lève ta main. Lift your voice. Tu vas prier d'abord. You are going to first pray. Seigneur, protège-moi. Father, protect me. Contre les coups qui viennent des amis. Against blow from. Protège-moi. Protect me. Contre les coups. Against qui viennent des frères. Blow from brothers. Frère, au lieu de dire c'est un ami, on peut dire c'est un frère qui m'a fait ça. Instead of saying it's a friend, you can say it's a brother that did this frère, to me. Dans la maison d'un ami, tu seras à l'aise. In the house of a friend, you're supposed to be il comfortable. Il est dans la maison d'un ami. He said in the house of the friend. Qu'on m'a blessé. That they wound me. On va faire des requêtes. You're going to take two prayer protège-moi. Points. Protège-moi. Protect me. Contre les blessures de ceux qui disent qu'ils m'aiment. Against the wound of those that say they love me. Protège-moi contre leurs coups. Protect me against the approach. Ceux qui me confessent l'amour. Those that say they love me. Protège-moi contre leurs coups. Protect me against the blow. Protège-moi contre leurs blessures. Protect me against their wounds. Frère, les gens qui disent qu'ils t'aiment. Those that pretend to love ils you. Ils peuvent t'avoir facilement plus qu'un ennemi. They can easily touch you than enemies. Les gens qui se disent ton frère. Those that pretend to be ils your peuvent brothers, t'avoir facilement plus qu'un they ennemi. They can easily harm you than your enemies. Tu vas prier pour toi. You are going to pray for yourself. Prier pour ta maison. You are going to pray for your household. Prier pour ton mari. You are going to pray for prier your pour husband. Ta femme. You are going to pray prier for your pour wife. Tes affaires. You are going to pray for Seigneur, protège-moi Father, protect contre me les coups qui viennent d'un against ami. A blow from friends. Les coups qui viennent d'un frère. Those are coming from ceux brothers. Qui me disent qu'ils m'aiment. Those that pretend qui to me confessent me l'amour. Those that pretend Seigneur, to protège-moi me contre leurs coups. Protège-moi contre leurs blessures. Lève la voix, commence à prier au nom de Jésus. Il ne faut pas attendre qu'il te blesse d'abord. Prie pour la protection. Seigneur, protège. Protège, protège-moi. Mon frère, prie. C'est très sérieux. Protège-moi, Seigneur. Contre les coups et les blessures des amis et des frères. Protège-moi. Oh Dieu vivant. Contre les coups et les blessures. Mon frère, prie ainsi. Prie, Seigneur, protège, protège. Protège ma femme. Protège mes enfants. Protège ma maison. Protège ce qui est à moi. Contre les coups des amis. Les coups et les blessures des frères. Seigneur, protège. Protège. Protège-moi. Contre les coups et les blessures des proches. Des proches. Of those that are close to prie, me. Prie. Pray, mon pray, frère, pray. Insiste. Insist. Prie pour tes enfants. Insist for your children. Prie pour ta pray, famille. Pray for your family. Contre les coups et les blessures. Pray against the flow and des amis, des proches, des frères. Of those close ones. Insiste. Mon frère, insiste. Brethren, insist. Dans le nom de Jésus in de Nazareth. The mighty name of Jesus. Alléluia. Alléluia. Frère. Brethren, que Dieu t'enseigne cette parole may God teach you this word. On va revenir sur ça si Dieu le veut. We will come back to it if God allows. Je veux prier pour toi. I'm going to pray for tout you. Tout ce qui se passe avec toi de mauvais. Anything bad happening to you. Et qui est l'œuvre d'un proche. And is from a close person. Que Dieu te libère de ça. May God set you free in Jesus' name. Ton amen n'est pas bien sorti. Tout ce qui se passe avec toi. Anything happening with et you. Qui est une activité d'un proche. And de quelqu'un d'insoupçonnable. Quelqu'un d'insoupçonnable. Somebody that you cannot suspect. Quelqu'un à qui tu fais confiance. Somebody that you trust. Dans le nom de Jésus. In the mighty name que Dieu of Jesus. Te délivre de leurs mauvaises œuvres. May God set you free from dans le nom de Jésus de Nazareth. In the mighty name of les Jesus. Ennemis déguisés en amis. The enemies that deceive qui sont in dans ton sein. That are among qui you, te côtoient. Aujourd'hui, je prie que les œuvres contre toi et contre les tiens soient détruites au nom de Jésus. In Jesus name. Frère, les that gens avec qui tu partages l'intimité people that you share your intimacy, et qui lèvent la main contre toi, and they are leaving their que leurs mains soient brisées au nom de Jésus. Their hands be cut off in Jesus name.
In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Frère, la belle famille. La belle famille. La belle famille. La belle famille. La famille. Les frères. The brother, de la famille même de l'église. Even in the church family, qui sont devenus un danger. That become a danger. Qui sont devenus une menace. Qui peuvent te blesser et te porter des coups. Quelle est l'intention à ton égard. Sois réduit à néant au nom de Jésus. In Jesus name. Que Dieu te protège. May God protect you. Je dis que Dieu te protège. Say, may God protect you. Contre les coups et blessures des proches. Against any blow. Contre les coups et blessures des amis. Les coups et blessures de la maison. De la maison. De la maison. De la maison. Que Dieu te protège de ça. Au nom de Jésus de Nazareth. May God Amen. Protect you against any Hallelujah. Wound coming from the in-laws, from Amen. The family, from the closest one. Any evil thoughts that they plan against you, may God destroy it in Jesus' name. Amen. Anyone coming from your in-laws, may God destroy it in Jesus' name. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse quelqu'un. May God bless you. Amen. Amen. Dieu va te révéler cette part. Ça m'a révolutionné. God is going to reveal it to you. Quelqu'un qui est proche te fera plus mal que quelqu'un qui est éloigné. The one that is close to you can hurt you badly than the one that is far. Alléluia. Amen. Les gens chez qui tu es à l'aise, ils te feront plus de mal People que les gens whom que tu crains. You are comfortable, they can hurt you more than those that are far. Que les gens que tu crains. That those that you fear. Yeah. Que Dieu te bénisse. May God bless you. Tu ne recevras pas leur coup. You will not receive their blow. Et si en temps ils t'ont déjà blessé, And que cette blessure soit you, guérie ce matin. They let this wound be healed in Jesus' name. Amen. Amen. Frère, ce matin, this morning, je veux faire reposer un peu ma voix. I'm going to let my voice. Alléluia. J'ai écouté un petit message le dimanche passé au deuxième culte. I listened a message in second service last Sunday. Et j'ai demandé qu'on le fasse au premier culte aujourd'hui. And I asked the person to preach it this morning. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit va t'ouvrir les yeux et t'enseigner. The Holy Spirit is going to open your eyes and teach you. C'est simple. It's simple, mais important. But very important. Alléluia. Amen. Alors, so, j'ai mon fils. I have my son. Qui est rentré. That came back. Et nous allons écouter de sa voix aujourd'hui. He's going to teach us this nous allons morning. Boire de cette source. We are going to drink Et je vous ai dit sauce. Que nous devons apprendre à apprécier ce qui est à nous. And we said we must learn to appreciate what is in us. Amen. 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 Frère, brethren, je veux que un jour toi aussi I would like that one day you tu also te tiennes devant ici we come and stand here et nous parle de la part de Dieu. And speak on behalf of God. Nous devons apprendre à apprécier ce qui est à nous. We must learn to appreciate what we have in us. Ce n'est pas seulement ce qui vient du dehors. It's not only what comes from outside. Non, laisse ça. No. C'est bon, mais It's good. Nous devons apprécier But ce qui est à we nous. Must also appreciate what tu vas regarder en haut et donner des applaudissements qui fait tomber l'onction. And you are going to give a clap offering to Je God. Dis, qui fait tomber l'onction. So that the anointing. Amen. Amen. Soyez bénis. Be blessed. Père, nous voulons en ce moment te dire merci. Father, we want to thank you. La Bible nous dit que c'est toi qui donnes la vie et la respiration et qui fais toutes choses. The Bible said it's the one is you that gives life do something. C'est donc toi qui as permis que chacun de nous You are the one that allow each one of us soit présent ici ce to matin, be in this place this morning. Merci pour Thank you cette bonté que tu as manifestée for your nous. Goodness upon our lives. Nous voulons te remercier également pour la vie de notre père et de notre mère. We want dans la also foi. To thank you for the life of our father and our mother. Merci pour tout ce que tu fais
à travers eux dans nos vies au nom de Jésus. Thank you for everything you are doing, Father, in our lives through them in Jesus' name. Et en retour, nous voulons, Père, te demander de les bénir pour nous. And in return, we ask you, Father, to bless them. Ce matin, nous sommes devant toi, le grand Dieu. This morning, we are standing before you, the great God. Le Dieu de toute capacité. The God of all capacity. Le Dieu qui détient le pouvoir absolu. The one that have the absolute power. On t'appelle le souverain. They call you the Almighty. Ce matin. This morning. Révèle-toi encore à nous. Reveal yourself to us. Et que chacun de nous. May each one of us. Quitte ce lieu. Goes home. Avec une conscience vivante. With a living conscience. De ce que toi tu es. Of what you are. Merci Père. Thank you Father. Par ton esprit. By your spirit. Enseigne-nous. Teach us. Transforme-nous. Transform us. Change-nous. Change us. Dans le nom de Jésus. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. Nous pouvons nous asseoir. We can sit down. Bonjour. Good morning. Et soeur. Vous savez que c'est toujours difficile d'avoir son père à côté et de prendre le micro. You know that it's always difficult to have your father by your side and you having the microphone. Mais c'est aussi rassurant de l'avoir à côté quand on prend le micro. That is also assurant that he's there with you. Ce matin, nous voulons parler de quelque chose. This morning, we are going to talk about something. Pour nous faire prendre conscience. To let us be conscient. De ce père que nous avons. Of this father that we have. Parce que beaucoup de nous, nous disons que nous avons Dieu. Because many of us are saying that we have God. Mais nous n'avons pas conscience du type de Dieu que nous avons. But we don't have conscience of the kind of God that we have. Et aujourd'hui, la plupart des chrétiens vivent dans la peur. And today, many Christians are living in fear. Les gens du monde ont peur. People in the world are afraid. Les chrétiens aussi ont peur. Christians also are afraid. Et on ne voit plus la différence entre les gens du monde et celui qui s'appelle chrétien. And there is no difference between the pagan and the Christian. Mais tu n'auras plus peur. But you will not be afraid. Quand tu vas prendre conscience du Dieu que tu as avec toi. When you will be conscious of the God that you have. Et ce que nous disons. And what we are saying. Invite ceux qui n'ont pas encore Dieu. Invite those that does not have God. À l'avoir avec eux. To have him with them. Si tu n'as pas encore Jésus dans ta vie. If you don't have Jesus in your life. Il est très important de l'avoir. It's very important to have him. Très important. Very important. Non seulement pour le salut de ton âme. We need your soul. Mais aussi pour affronter les gens du dehors. To confront those outside. Parce que sans lui. Because without him. Il t'est impossible de les affronter. It is going to be impossible for you to confront them. Si tu n'as pas Jésus en toi. If you don't have Jesus si in you. Si tu n'as pas le Dieu là avec if toi. If you don't have that God in you. Tu cours un grand risque. Tu cours un grand risque. Tu cours un grand risque. You are at risk. Nous allons prendre le texte biblique dans Exode chapitre 3. Let's read Exodus chapter 3. Et nous allons lire d'abord les quatre premiers versets. We are going to read the first four verses. Après, verses. Nous sautons, nous allons au verset 7. Then from that, we jump to verse 7. Et puis du verset 7, nous allons partir au verset 10 jusqu'au verset 12. Je vais lire rapidement. I'm going to read quickly. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb.
L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consumait point. Verset 4, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. Et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Verset 7, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Le verset 10, maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Amen. Je disais au départ, I was saying at the beginning, que les chrétiens ont peur comme les gens du monde. That Christians are afraid like people in the world. Ce qui ne devrait pas être le cas. That is not supposed to be so. C'est parce que les chrétiens n'ont pas conscience. It's because Christians are not conscient de ce Dieu. Of that God. De quel Dieu il s'agit. Of the, which God that we are talking about. Ils n'ont pas conscience de ce qu'ils ont en eux. They are not conscious of what they have in them. C'est pourquoi. That's why. Ils vivent dans la peur. They are living in fear. Comme les gens du monde. As people in the world. Évidemment, si tu n'as pas Dieu en toi, si tu n'as pas Christ en toi. If you don't have Christ in you. Il est normal que tu vives dans la peur. It's normal for you to be afraid. Ici. Here. Dieu a appelé Moïse pour une mission. God called Moses for a mission. Et Dieu veut lui montrer quelque chose. And God wants to show him something. À travers une vision. À travers une vision. Through a vision. À travers le buisson ardent. Through the burning bush. Dieu savait que Moïse était recherché par Pharaon. God knew that Pharaoh was looking for Moses. Il savait que la tête de Moïse était mise à prix. He knew that the head of Moses was looking. Moïse était recherché. They were looking for Moses. Il était un homme en fuite. He was running. C'était un fugitif. He was running. Et c'est vers la personne qu'il fuyait. And it's that person that is was que running. Dieu veut l'envoyer. That God wants to send him. C'est pourquoi quand il discutait avec Dieu, il disait à Dieu, that's why when he was discussing with tu God, sais que he was je suis saying, un homme, je ne sais pas parler. You know, I am a man, I can't speak. J'ai de difficultés à parler. I have difficulty speaking. Ce n'était que des échappatoires. It was just excuses. Parce qu'il savait he knew que s'il mettait pied là-bas, that going back to c'était fini pour lui. It was finished for him. Mais Dieu a utilisé une image pour lui faire passer un message. But God used him to pass a message. La Bible dit qu'il a vu un buisson. They said that he saw a bush burning. Embrasé. Burning. Mais qui ne se consumait pas. But it was not consumed. Et vous savez que dans la Bible, you know that in the Bible, quand on parle de l'arbre, when we talk about a tree, ça a toujours rapport à la vie de l'homme. Pour la plupart des cas, ça a toujours rapport à la vie de l'homme. It always shows the life of a man. Et on sait que le feu avec le bois. And we know that fire with wood. Le plus fort c'est le feu. Is fire that is the stronger. Le feu consume toujours le bois. Always fire destroy wood. Mais là il est en présence de quelque chose. But he is facing now something. Le feu ne consumait pas ce bois là. And the fire was not consuming the wood.
Il s'est dit, ça c'est un grand mystère. He said that is a mystery. La Bible dit, the Bible au verset 3, qu'il s'est détourné pour voir pourquoi le buisson ne se consumait pas malgré le feu. And the Bible said that Moses turned to go and see why the fire was not consuming the wood. Pourquoi? Why? Et quand il était allé regarder, and when he was there looking at this, une voix est sortie. A voice came out. C'était la voix de Dieu. It was the voice of God. C'était là la différence. That was the difference. Dieu était présent dans le buisson. God was in the midst of that bush. La présence de Dieu dans ce buisson. The presence of God in that bush. Ne pouvait pas permettre au feu de le consumer. Could not allow fire to consume it. Tu ne peux pas. Le verset 4 dit, l'Éternel a parlé, pas du milieu du feu, mais du milieu du buisson. The verse 4 said that God speak not in the middle of fire, but le buisson, the bush, sans la présence de Dieu, without the presence of God, était un consommateur pour le feu. Fire will take over. Un homme sans Dieu, a man without God, il est très faible devant le pharaon. He is weak in front of Pharaoh. Une vie sans Christ, a life without Christ, est très faible. Is a weak. Il ne peut pas résister devant le feu. He cannot resist against fire. C'est pas possible. It's not possible. C'est la présence de Dieu dans le buisson. It's the presence of God in the bush. Qui a ôté à ce feu? That took away the tout pouvoir. That took away all the power in the fire to consume. C'était le message que Dieu lui voulait. It was the message that c'est pourquoi Dieu lui a dit finalement. That's why God told je sais que tu as peur de l'homme. I know that you are mais afraid moi, of man, but me, je serai avec toi. I will be with you. Je sais que tu fuis l'homme là. I know that you are running je from sais que Pharaon est fort. I know that Pharaoh je sais que le Pharaon a tout ton pouvoir I know that Pharaoh pour t'écraser. Crush you mais down. Tant que je suis là but en toi, I'm here, il ne pourra you, pas t'écraser. He can't do you anything. Et vous allez remarquer sur toute la ligne. You are going to notice. L'homme qui craignait. The man that he was afraid of. Il rentrait gaillardement dans son palais. He entered his palace. Et il lui parlait les yeux dans and les yeux. And he was yeux. Looking into his eyes. Tu as un Dieu qui joint l'acte à la parole. You have a God that joins words to act. Il n'est pas un Dieu qui parle seulement. It's not that a God that speaks only. Quand il a dit, when he said, il joint l'acte à ce qu'il he a dit. He will join works to what he said. Les 10 plaies qu'il a utilisées que j'appelle les miracles. The 10 plagues that he used that I call miracles. Vous allez voir. You are going to notice. Ce n'est pas Moïse qui le faisait. It's not Moses that mais was c'est doing Dieu this. Qui était avec lui qui le faisait. That is God with him that was doing pour it. Obliger Pharaon to oblige Pharaoh à se plier à sa to bow volonté to à his will. Tu n'as pas Christ en toi. You don't have Christ in you. Et tu veux plier le monde à ta volonté? And you want the world to bow at your feet? C'est pas possible. It's not possible. La question fondamentale. The question is, est-ce que Christ est en toi? Is Christ in you? Regarde en toi-même. Est-ce que j'ai Christ en moi? Do I have Christ in me? Est-ce que j'ai ce Dieu-là en moi? I have that God in me. Ou bien je viens seulement à l'église? Or I'm just a church goer. La Bible dit dans 1 Jean 4. The Bible says in the 1 John. Verset 4. 1 John 3 verse 4. Ce qui suit. Je vais paraphraser. Quand nous lisons 1 Jean 4, verset 4. When we read 1 John 4. 1 Jean 4 verset 4. Ça dit quoi? 1 John 4 verse 4. «
Dieu. Oh, you little children, you are God. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est. And you have overcome because the womb in you is greater than the one in the world. Jean donne une révélation pour nous. He's giving a revelation. Il dit petits enfants. He said little children. Vous les avez vaincus. You have overcome. À cause de qui? Because of who? À cause de celui qui est. Because of the one vous. In you. Notre victoire. Our victory. Est reliée. Is attached. À la personne de Jésus. Of the Jesus in en nous. Us. La personne de Jésus en nous. Jesus in us. Est-ce que tu as Jésus en toi? Do you have Jesus in you? Est-ce que tu as Dieu en toi? Do you have God in you? Si tu n'as pas ça en toi, les Hérodes qui sont derrière. If you don't have in you the demon out there. Les Hérodes qui sont devant. Those that are out there. À droite, à gauche. Left, right. Comment tu peux les affronter? How can you confront them? C'est ça la question fondamentale. That is the question. Est-ce que Christ est en toi? Is Christ in you? Et c'est quoi Christ en nous? And what it means Christ in you? C'est quoi? What it means? Parce que si tu ne sais pas ce que c'est que Christ en toi. Because if you don't know the meaning. Tu peux vivre dans l'illusion que Christ est en toi. You can live in religion without Christ in you. Lisons 1 Corinthiens 3, verset 10 Let's read 1 Corinthiens 3, verset 10. 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. According to the grace of God given to me, I've laid the foundation as architect. Et un autre bâti dessus. And another we build upon. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. May each one of us be careful in the way he builds. Car personne ne peut poser un autre fondement. Because no one can bring a new foundation. Que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Than the one that was laid previously knowing Jesus. Amen. Amen. L'apôtre Paul nous donne une révélation. Apostle Paul is giving us a revelation. Il dit. He said. J'ai posé un fondement. I've laid a foundation. Je dis, quand je viens vous prêcher l'évangile, that when I'm coming to preach the gospel, quand je viens vous parler de Dieu, when I'm coming to speak of God, il y a un fondement que je suis en train de bâtir en vous. There is a foundation that I'm building in you. Et il dit, and he said, personne ne peut poser un autre fondement. Nobody can come and put another foundation. Et être ce que Dieu veut qu'il soit. And be what God wants him to be. Et il dit, quel est le fondement? He said, what is the foundation? Jésus-Christ. Christ, Jesus Christ. Est-ce que ta vie is your life est enracinée en Jésus? Rooted in Christ. Est-ce que tu as posé ta vie sur Jésus-Christ de Nazareth? Did you lay your life on Jesus Christ? Ou bien tu as posé ta vie sur un prophète? Or is on a prophet? Ou bien tu as posé ta vie sur une prophétesse? Or in a prophetess? Ou bien tu as fondé ta vie sur un groupe? Sur un groupe. A group. Ou bien tu as fondé ta vie sur une religion. A religion. Christ en nous. Christ in us. C'est d'abord bâti notre vie sur son fondement. Is first building our lives in his foundation. Et c'est pourquoi il m'a dit. And Apostle Paul said. J'ai posé un fondement. I've laid a foundation. Mais que chacun. That may everybody be careful de la manière dont or the way il est en train de bâtir sa vie à partir de ce fondement. He is building from that foundation. Si Christ est en toi, if Christ is in you, tu dois bâtir ta vie, you must build your life selon le fondement de l'évangile, according to his model, selon l'évangile.
According to the gospel. Selon ce que dit la parole de Dieu. According to what the Bible is saying. Et non ce que toi tu veux. And not according to what you are seeing. Et non ce que toi tu penses. What you are thinking. Et non selon tes désirs. What you desire. Et non selon tes instincts. Not according to your instinct. C'est pourquoi il dit. That's why he say. Ta manière dont chacun bâtit sur le fondement dont je vous ai parlé sera révélé demain. It's going to be revealed. Oui, nous disons que nous avons Christ. Yes, we say we have Christ. Mais quel type de vie menons-nous? Which kind of life are we living? Christ en nous, d'abord, c'est d'avoir le fondement de Christ en nous. Christ in us means having the foundation of Christ in us. À un moment donné, les Corinthiens at a moment, Corinthians, quittaient le fondement. They were going away from the foundation. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et ils faisaient ce qu'ils voulaient. They were doing what they want. Et il va leur rappeler. And he reminds them. Dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 1, vous allez in voir. 1 Corinthians 15, from il dit, je vous rappelle. He said, I remind you. L'évangile que je vous ai prêché. The gospel that I preached to you. Et là, détailler l'évangile là. Quand vous prenez 1 Corinthiens 15, là, il dit quel évangile? If you read from Christ mort, 1 Corinthians 15, enseveli, Christ died, ressuscité, qui a apparu, appear. C'est ce Christ-là is that qui doit Christ être votre référence dans la vie. Is the one that must be your reference. Christ en nous. Christ in us. C'est aussi l'esprit de Christ en nous. Is also the spirit of Christ in us. Romains 8, verset 9. Romans 8, 9. Pour vous, for you, vous ne vivez pas selon la chair. You are not living according to the flesh. Mais selon l'esprit. But according to the spirit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. If the spirit of God dwell in you. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, if somebody does not have the spirit of Christ, il ne lui appartient pas. It doesn't belong to him. Et si Christ est en vous, but if Christ is in you, le corps. C'est bon. Romains 8, verset 9. Je disais que Christ est en nous. Christ in us. C'est que l'esprit de Christ est en nous. It means the spirit of Christ is in us. Et la Bible dit, celui qui n'a pas son esprit en lui. And the Bible said that the one that does not have his spirit in him. N'est pas à lui. It does not belong to him. Mais quand l'esprit de Christ est en lui. But when the spirit of Christ il appartient à Christ. He belongs to Christ. Et que fait cet esprit en lui? But when the spirit is in. Cet esprit vient bâtir la nature de Christ en lui. This spirit come and build the nature of Christ in us. Cet esprit vient bâtir les sentiments qui animaient Christ envers Dieu en lui. This spirit will come and build that feelings that was in Christ in us. Cet esprit vient lui communiquer l'humilité. This spirit will come and communicate humility. La soumission à l'autorité de Dieu. Submission to God's authority. Comme Christ était lui-même soumis as à l'autorité Christ himself de Dieu. Was submitted to the divine authority. Cet esprit vient lui communiquer le cœur qui est en quête permanente de ce qu'il doit faire pour être agréable à Dieu. This spirit will come and communicate to us what we must do to always please the heart of God. Nous qui disons que nous sommes chrétiens. We that saying that we are Christians. Avons-nous ces choses en nous? Do we have those things in us? Nous soumettons-nous facilement à l'autorité de Dieu? Do we easily submit to God's authority? Nous soumettons-nous facilement à l'autorité établie par Dieu? Do we easily submit to God's authority? Avons-nous l'humilité dans le cœur? Do we have humility? Avons-nous la soumission envers la parole de Dieu? Do we have submission to the word of God? Quand on vient à l'église, c'est pour se dire la vérité. When we come to the church, it's to tell the truth. Donc, excusez-moi que je dise là. So, excuse vérité. Me, I'm going to say the truth. On dit celui qui n'a pas l'esprit de Christ en lui. So the one that does not have the spirit of God. Et on reconnaît que l'esprit de Christ en quelqu'un. We recognize that the lorsqu'on spirit of voit à travers sa vie la nature de Christ. When we see in the life of that ce qui caractérisait Christ. L'amour caractérisait Christ. The love that was in the life of Christ. On nous a dit tout à l'heure. They said,
de prier to pray pour que Dieu nous préserve so that God preserve contre les coups de ceux qui nous ceux que nous appelons frères. The blow of the ones that we call friends. Si Christ est en moi, if Christ is in me, je ne peux pas te pointer dans le dos. I cannot come and hurt you at the back. Si je suis un frère que je te pointe dans le dos, if I'm a brother, c'est I un do signe so, que je n'ai pas l'esprit de Christ en moi. It's a sign that I don't have the spirit of Christ in me. C'est un signe. It's a sign. Moi, j'étais surpris tout à l'heure quand on dit. I was surprised then they said. Dieu préserve moi contre les coups de ceux qui s'appellent frères autour de moi. God preserve me against those that call themselves my brother, my friends. Comment peut être frère se pointer dans le dos? How can we be brothers and stab each other's Ça veut dire que l'esprit de Christ n'est pas dans la personne qui It a pointé. It means that the spirit of God is not with us. He's a fake brother. Christ ne fera jamais ça. Christ will never do so. Un frère protège un frère. A brother protects his brother. Un jour, one day, Christ a appelé Pierre. Christ called Peter. Il dit Pierre viens. He said Peter come. Tu sais? You know? Satan là. Satan. Il vous a réclamé. He was claiming you. Et j'ai prié pour toi. And I pray for you. Ceux qui ont l'esprit de Christ en eux, ils prient les uns pour les autres. The ones with the spirit of God, they pray for each other. Pierre ne savait pas que Satan voulait faire quelque chose. Peter Mais was not Christ, aware that Satan le sachant, a fait ce qu'il doit faire pour que les coups de Satan ne l'atteignent pas. So that the blow of Satan will not hit him. Mais si toi tu portes des coups à ton frère, you are blowing your brother. L'esprit de Christ n'est pas encore en the toi. The spirit of God is not tu n'es pas encore né de nouveau. You are not longer tu es seulement dans l'église. You are just in the church. Quand l'esprit de Christ est en nous, when we have the spirit of Christ in us, nous développons un cœur de reconnaissance et de gratitude envers Dieu. We develop a thanksgiving heart through us, God. Un cœur de gratitude. A grateful heart. Et de reconnaissance. Of thanksgiving. Envers ce Dieu. Through us, God. On reconnaît qu'on n'est absolument rien sans lui. We recognize that we are absolutely. La Bible dit que Christ, nothing without him. Malgré qu'il soit Dieu. They said that Christ, although being God, ne s'est point regardé égal à lui. He did not look at himself. Mais il est resté soumis. But he was submitted à son père. To his father. Lorsque l'esprit de Christ est en quelqu'un, when we have the spirit of Christ, il a un cœur qui se soumet. He have a humble heart that submits. Pas un cœur de rébellion. Not a rebellious pas un cœur qui affronte la parole. Not a word pas un cœur qui affronte l'autorité. That rebel against authority. Et un cœur qui accepte la parole dans sa totalité. And a heart that receives the word in the totality. Et qui fait toujours ce qui plaît à Dieu. And it does everything that pleases God. C'est pourquoi Christ pouvait dire. That's why Christ we said, je ne suis pas seul. I am not alone. Il est avec moi. He is with me. Car je fais toujours. Because I always ce do qui lui plaît. His will. Donner un coup à son frère ne plaît pas à Dieu. Giving a blow to his friends does s'opposer not please à la parole de Dieu ne plaît pas à Dieu. To be rebel against the word of God does not please décider God. Délibérément de ne pas obéir ne plaît pas à Dieu. Disobedience does not please God. Et l'apôtre Jean nous dit quelque chose toujours Apostle dans son John épître. Said, dans son épître 1 Jean 4, verset 6. 1 John 4, verset 6. Ce qui suit. 1 Jean 4, verset 6. 1 John 4, verset 6. Nous, nous sommes de Dieu. We are gods. Celui qui connaît Dieu nous écoute. The one that knows God listens to us. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. The one that does not belong to him does not listen to us. C'est par là que nous
connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. And it's from there we know the spirit of truth and the spirit of error. L'apôtre Pierre dit, nous sommes de Dieu. We are God. Et il dit, comment peut-on reconnaître quelqu'un qui est de Dieu? How can we recognize the one that is from God? Il dit quelqu'un qui est de Dieu là. Quand on lui parle. The one that is from God, when we talk to him. Il écoute. He listens. Il accepte. He accepts. Et fait ce qu'on lui dit. And he does what we ask him to do. C'est ça. Et il dit. And he said. Eux. Them. Ils ne nous écoutent pas. They don't listen to us. Parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Because they are not from God. Tu dis que tu es de Dieu. You are said that you are Christ from God. Christ est en toi. Christ is in Quand you. Quand la parole sort. When the word is coming out. Tu écoutes. Did you listen? Tu acceptes. Do you accept? Tu pratiques. Do you practice? La Bible dit c'est là où on reconnaît ceux qui ont l'esprit de Dieu and et ceux qui said, ont l'esprit from there d'erreur. We can know those that have the spirit of God and those that have the spirit of error. Parce que j'ai dit tout à l'heure au départ because I said at the beginning qu'on peut vivre dans l'illusion qu'on est en Christ. That we can live believing that we are in Christ. Il y a beaucoup de choses dans la Bible qui montrent ceux qui sont en Christ. Ils donnent la preuve qu'on est en Christ. That prove that we are in Christ in the Bible. Nous avons cité quelques-unes de ces choses. We are going to mention some of them. Et à partir de ce qu'on a cité, le temps est passé. From what we said. Regarde. Regarde toi-même. Look at yourself. Est-ce que l'esprit de Christ est en toi? Is the spirit of God in you? À partir de quelques exemples qu'on a donnés. From the few examples that we give. Quand l'esprit de Christ est en quelqu'un, when the spirit of Christ is in lui-même somebody, le sait. Himself will know it. Il est conscient. He's conscient. Que l'esprit de Christ est en lui. That the spirit of Christ is in him. Il est conscient. He's conscient. Des changements qui s'opèrent en lui. The changes in him. Un jour. One day. Il y a quelqu'un qui s'appelait Nicodème. Somebody called Nicodemus. Dans Jean 3. In John 3, il est allé voir Jésus. He wants to see Jesus. Ils ont parlé. They spoke. Jésus lui a dit, Jesus told him, il faut que tu naisses de nouveau. You need to be born again. Après, on a retrouvé Nicodème dans Jean 7. Later, we saw Nicodemus in John 7. Je crois verset 50 à 51, il faut vérifier. From 50 to 51. On a noté quelque chose chez lui. We noticed something in him. Jean 7, verset 50 à 51. John 7, 50 to 51. Nicodème qui était venu de nuit vers Jésus. Nicodemus that came in the night to Jesus. Et qui était l'un d'entre eux leur dit. And there was one of them said. Notre loi condamne-t-elle un homme? Our law does condemn. Un homme avant qu'on entende et qu'on sache ce qu'il a fait. Does our law condemn something somebody before we listen to him? Il lui répondit. They answer him. Es-tu aussi Galiléen? Are you also a Galilean? Examine. Et tu ça va, veux? Ça va. La Bible dit dans le il dit Nicodème qui était un des leurs. The Bible said Nicodemus that was one of them. Il faisait partie de ce groupe des pharisiens. He belonged to the group of the Pharisees. Quand il est allé voir Jésus, ils ont parlé. When he went to see Jesus. Quand il est revenu. When he came back. Son langage n'était plus le langage des pharisiens. His language was no longer the language of Pharisees. Et c'est pourquoi. That's why. Ses confrères disaient. His brothers were saying, tu es devenu aussi Galiléen? Are you now a Galilean? C'est un changement. It is a changing. Si les gens du milieu duquel tu étais, if the people where you are from, ne remarquent pas que quelque chose a changé en toi, are not noticing something changing pour in te you, demander, to ask you, est-ce que toi-même tu es rentré dans la chose là? Are you now among those people? L'esprit de Christ n'est pas encore en toi. The spirit of Christ is not yet in you. Ils ont constaté they have noticed qu'ils prenaient la défense de Jésus. That he was defending Jesus. Et ils se sont réunis and they gathered pour condamner Jésus. To condemn mais Jesus. Nicodème but Nicodemus a dit, écoutez, he said, listen, vous voulez le condamner. You want to condemn notre him? Loi là, our law, est-ce qu'elle autorise de condamner quelqu'un sans d'avoir entendu? Does not allow to condemn something, somebody ils before ils ont regardé. Him. They look at him. Il dit, ah bon? They say, toi-même, tu as changé? You have changed. Tu es devenu comme les gens you là? Come them like donc them. Tu n'es plus parmi nous alors? You are not longer among c'est us. Ça le changement. That is the change. C'est ça l'esprit de Christ. That is the spirit of Christ in us. Tu as changé? Have you changed? J'ai changé. Have you changed? La Bible dit. Apostle Paul said. Pierre. Peter.
Le jour où il a prêché pour la première fois. The day you preach for the first time. La Bible dit. The Bible said. Ceux qui l'ont écouté. Those that listened to him. Leur cœur était vivement touché. Their heart was touched. Je crois que c'est Actes 2:38-37. Acts. Et ils ont demandé qu'est-ce qu'il faut faire. They asked what they did. Il dit changer de vie. He said change your life. Repentez-vous. Repent. Changez. Change. Dans ma Bible. In my Bible. On m'a dit changer radicalement de vie. They said change radically your life. Avons-nous changé? Did you change? Nous allons nous arrêter là ce matin. We are going to stop there this morning. Si tu n'as pas Jésus, if you don't have Christ, tu ne peux pas affronter Pharaon. You cannot confront Pharaoh. Si tu es conscient que tu n'as pas Jésus, if you are conscious that you don't have Christ, je t'en supplie. I beg you. Tu peux te rendre contact avec le père de la maison. You can come closer to us. Pour qu'il te tienne par la main. So that he can hold you by the hand. Pour te faire connaître Jésus. To make you know Christ. Et si tu te dis que tu as Jésus, and if you say to yourself that you have Jesus, regarde-toi. Look at yourself. Pose-toi la question. Ask yourself the question. Jésus. Violette, est-ce que tu as changé? Did you change? Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Amen. Tu peux te lever pour applaudir? Can you stand and give est-ce que tu peux te lever? Can you stand up and give a clap offering? Amen. Amen. Écoute. Listen. Je vais résumer en trois mots. I'm going to summarize in three words. Le dimanche passé, moi j'ai écouté ça au deuxième culte, ça m'a beaucoup béni. Last Sunday I listened to it in the second service and I was richly blessed. C'est pourquoi j'ai demandé qu'on reprenne ça au premier culte. That's why I asked him to come and preach it this service. Amen. Amen. Au début. At the beginning. Ce que tu dois retenir. What you are going to remember. Si Christ est avec toi. If Christ is in you. Le feu. Fire. Ne va pas te consumer. Will not consume you. Amen. Amen. Et le feu là ici là. And this fire here. C'est les souffrances, les épreuves. Is suffering. Is suffering. Les luttes de la vie. Struggling. Ça va détruire les autres. It will destroy others. Qui n'ont pas Christ. That does not have Christ. Mais toi. But you. Tu vas vivre dedans. You will live inside. Et tu vas t'en sortir. And you overcome it. Si Christ est en toi. If only Christ is in you. Frère. Brethren. Sans lui. Without him. On ne peut pas s'en sortir. We cannot overcome. Le feu aura toujours le dessus sur fire le toit. Fire will always have upper hand in our life. Donc la plus grande chose qui peut t'arriver, so the greatest things that can happen c'est d'avoir Jésus is to dans have ta vie. Jesus in your d'avoir life. Dieu avec toi. To have God with you. Autre chose. Another point. Ça s'appelle retenons. Hein, dis retenons. Pharaon qui est là-bas là. Pharaon. Pharaoh. Les gens que tu fuis. People that you are running. Si Christ est avec toi. If Christ is in you. Frère. Brethren, tu les affronteras. You will confront them. Et tu auras le dessus. And you overcome them. Rien nothing. Et personne ne peut te supplanter si Dieu est and avec toi. Nothing and nobody can take over you if God is with maintenant, you. But now, je lui ai posé une question le dimanche passé qu'elle a fini le message. A question last Sunday when he finished j'ai the dit, message. Il y en a. I said there are qui some pensent qu'ils ont Christ. That believe that they have Christ. Mais ils n'ont pas Christ. That they don't have Christ. C'est ça. Le pasteur dit vivre dans l'illusion que nous avons Christ. This what pastor said is believing that we have Christ. Frère, la manière dont les choses se passent avec toi. The way things are happening with you. Ça peut être un signe. Is a sign. Autre chose. Another point. Le changement. Changing. Nicodème, Nicodemus, quand il a rencontré Christ, when he met with son Christ, langage a changé. His language changed. Le changement qui se manifeste, that changing that manifests à travers toi est une indication you de la présence de Christ en toi ou pas. Of the presence of Christ in you.
Si tu continues de parler comme avant. If you continue to speak like before. Si ton salut n'a pas touché ta bouche. If your salvation has not touched your tongue. Frère. Brethren. Notre salut d'aujourd'hui ne nous change pas. Today's salvation does not change. C'est ça, j'ai dit la vie après le salut. That's why he said life after salvation. La foi d'aujourd'hui ne change personne. Ça ne convertit pas réellement. Today's faith does not convert. Réellement. Really. La foi d'aujourd'hui ne convertit pas. Does not convert really. Mais la Bible dit convertissez-vous. But the Bible says convert. Si tu vis dans la défaite. If you are living in defeat. Ça veut dire quoi? It means what? Non, le pasteur n'a qu'à nous dire ça. Ça veut dire quoi? Si tu continues à fuir Pharaon. If you are still running Pharaoh. Christ n'est pas avec toi. Christ is not with you. Alléluia. Amen. Le juste a de l'assurance comme un lion. The righteous have assurance like a young lion. Si tu vis dans la peur. If you are living in a fear. C'est que tu n'as pas la conscience. It means you don't have the conscience. De la présence de Dieu. And the presence en of toi God. Ou avec toi. In you, with you. Frère. Brethren, que cet enseignement-là rentre dans ta vie. May this teaching enter your life. Et les indications, don't forget, les indications de la présence de Dieu en nous, relisez ça, c'est beaucoup. In our lives. We have the many. Nous pouvons penser we can think, sans que ça ne soit vrai. Without being true. Et je dis toujours, là où il n'y a pas le fruit, where there is not fruit, la présence n'est pas là. The presence is not there. C'est une illusion. C'est une supposition fatale. It's a deceit. You are deceiving yourself. L'humilité. Humility. La simplicité de Christ. Simplicity. Les pensées de Christ. The mind of Christ. La soumission à la parole. Submission to the word. Frère, brethren, j'ai écrit là, d'après ce qu'il a dit, ce que tu fais de ce qu'on te dit est une indication. What you do with what they are telling you is an indication. Frère. Brethren, nous devons nous asseoir par terre. We can sit on the floor. Après avoir écouté, tu dois t'asseoir par terre. After listening, you must sit on the floor. Te dépouiller. To pull yourself. Combien tu as pris dans ce qu'on t'a dit? Nous sommes des nous avons chacun à ses filtres, à ses mailles. What did you vous comprenez mon français? What nous choisissons dedans. You are to filter. To choose what you are to take from there. Que Dieu nous accorde sa grâce. May God give you the grace. Est-ce que tu es béni ce matin? Are you blessed? Si tu es béni, acclame encore le Seigneur if Jésus. You are blessed, clap for très fort. Give him a clap offering. Très très fort, très très fort. Clap very well, clap very well. Si Jésus en toi, tu marcheras dans la victoire. If Christ le feu ne te consumera pas. Fire will not consume. Pharaon n'aura pas le dessus sur toi. Pharaoh will not overcome au nom you. De Jésus de Nazareth. Applaudis encore très fort. A clap offering, a clap offering. Nous sommes un peuple de vainqueurs. Alléluia. C'est ça la différence. That is the difference. Nous allons ensemble être dans le même feu. We are going to ça pass. Va consumer quelqu'un et ça ne va pas nous consumer. C'est ça la différence. Applaudis encore très fort Jésus. Si Jésus est en toi, pour toi sera différent. We can pass through the same fire. It will consume others, but will not consume me. That is what is going to make the difference between amen. Me.